Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons sur le Seigneur des Anneaux, le tirage pour le 42e épisode. Et après avoir battu ce roi sorcier, nous allons voir ce qui va se passer. Nous voilà au 7e niveau et à la citadelle. C'est Denethor. Votre bannissement est levé. L'intendant du Gondor n'est plus. Mais son hall est attaqué. La bannière d'Elendil est conservée ici. Il faut la retrouver. Là, j'ai des ralentissements. Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis. Tous ne survivront pas. J'ai sauvé l'intendant Faramir. Mais je n'ai rien pu faire pour son père. Son esprit était depuis trop longtemps consumé par la malice. Ainsi disparaît Denethor, fils d'Ectelion. Ainsi disparaît cet âge du Gondor. Je n'ai qu'une chose à dire. Burning Man! Voilà. Bon, alors, c'est normal que ça lag, hein. Que vous avez un effet de ralentissement, c'est logique. Vu qu'il y a tellement d'ennemis. Bah ça fait des confrontations. Alors. On va zigouiller. En fait, on va viser d'abord les orques. Je pense que c'est la meilleure des choses. Comme ça nous fera moins de dégâts à subir. Bon, malgré que là, on va prendre aussi. Hein. Là, je peux vous le dire. On va pas prendre qu'un peu. Hein. Quoique. Ça devrait suffire. Ouais, non, ça devrait suffire avec un drain de santé, je pense. Ouais. Voilà. Ah, je pense qu'en fait, cette salle... un peu particulière, donc c'est là où elle va nous faire des effets de ralentissement. Bon, c'est pas très grave. Je veux en profiter que tout le monde puisse attaquer, donc on va pas s'embêter à mettre des frénésies. On va essayer de voir. De toute façon, il était maudit, donc bien fait pour lui. Écoutez. Allez, hop. Ah, cette salle est beaucoup trop élevée. C'est pas grave. Le combat va pouvoir être intéressant quand même. Morwen, s'il te plaît, attaque. Oh, quoique, je fais double attaque et je vais attaquer les deux, je pense. Hein. Ce sera le mieux. Alors, on va faire. Non. Plus empoisonné sur le premier et plus empoisonné sur le deuxième. Même si c'est pas très très efficace, ça va quand même faire des coups au fur et à mesure. C'est ce que nous recherchons. Vile frappe. Contre-attaque. Il n'y a que les ghosts. Et les ghosts, il va pouvoir les endormir. Compétence de rôdeur. Flèche sommeil. Au dodo. Ah bah non, ils dorment pas. Oh gold. A pic. Il y a de la berce dans ces boîtes là, dis donc.
Alors, frénésie. Là, c'est normal. J'ai pas vraiment trop le choix. Je vais faire un petit présent. Faut le soigner. Ah. Je crois que nous avons notre petite attaque. Testons-la. Eh oui, les talons d'eau. Les talons de l'eau. Ah bah ça les a défoncés. Très bien. Cette petite attaque que nous avions tout début du jeu. Hein. On n'avait jamais pu vraiment l'utiliser. Il était comme ça. Bah là maintenant on l'a. Donc c'est très bien. Ouh là à mon avis on va en récupérer de l'équipement. Hein. Ouais. Ah oui. Ah d'accord, même là on peut pas essayer d'esquiver les combats quoi. C'est. Non, vous vous démerdez, il y a les combats, ils sont là. Ok. Non, on va utiliser Berettor, comme toujours. Berettor, etc. Et après on va faire justement des putains d'attaques avec avec Idrial, hein, écoutez. J'aurais peut-être dû vérifier une chose avant. Bon, le grand chef, par contre, il va se calmer parce que. Ouais, il y a des effets. A mon avis, celui-ci d'épisode, ce sera effet de ralentissement. Hein. Parce que ça en demande beaucoup quand même à l'émulateur. Bah l'attaquer, parfait. Je vais prendre Eoden du coup. Il va pas les tuer de toute manière. Par contre, il peut déjà bien les entamer. Là, il manque une chose, c'est. Bah voilà, bah, parfait en plus. Je pensais à mon cher Rodeur. Est-ce qu'il va en tuer ou est-ce qu'il va les endormir? Ah non, 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 non. Pas de contre-attaque, s'il te plaît. Ça aurait pu. Non, Morwen a déjà attaqué. Quel idiot. Bah, Ad-Od. Ad-Od n'est pas attaqué. Yeah. On va faire bouclier montagne. Idrial. Alors attendez, on va. Je voudrais juste voir. Ça consomme quand même 250, mais. Non, allez, on essaye. Je suis pas sûr que ça va les tuer, mais on essaye. Il y en a un qui va mourir sur les deux, je pense. Ah bah non, les deux sont morts. Parfait. On va vérifier quand même si Drial peut continuer à apprendre des choses avec l'esprit, bien sûr. Je vais vérifier cela. Si elle n'apprend rien, ben... Ça va être embêtant. Donc on va voir. On va voir ça. Alors, c'est parti. Bon, savoir, Idrial, est-ce que tu apprends encore quelque chose d'autre? Alors là, va falloir se forcer à faire des attaques
à l'épée. On n'apprend plus rien avec Idrial. Ok. Donc là, on est en train de bien augmenter le bouclier de ravage. Et on pourra invoquer un dragon. Qui attaque tous les ennemis. Alors imaginez si on fait beaucoup d'attaques de... Non, je vais mettre plus en esprit. Si on met beaucoup d'attaques à plusieurs, ou alors qui touchent plusieurs ennemis, ça va être redoutable. En plus qu'il y a des personnes qui peuvent voler de la santé aux ennemis, je trouve que c'est redoutable. Soixante-six, soixante-trois, soixante-quatre, soixante-deux, soixante-trois. Idrial est la plus faible pour le moment, hein, comme toujours. Enfin, ça fait un petit moment hein, déjà. Alors, on essaie de voir, parce qu'apparemment il va encore y avoir des ennemis. Là, on va certainement devoir encore en croiser. Voilà. On aurait pu ouvrir le coffre avant, mais on l'a pas fait. Tant pis. On va le faire là après. Pourquoi pas. Par contre, calmez-vous. Calmez-vous, j'ai dit. Parfait. Parce que j'ai pas envie d'avoir un problème de cette partie. Donc vous allez vous calmer. On va aussi mettre une aura sur Arod. Lui qui subit et qui résiste toujours autant. Là je crois que je vais lui remettre un peu maintenant vraiment de la résistance. Hein. Qu'est-ce que je pourrais faire? Un petit don peut-être. Ça va peut-être le guérir à... Il a bien assez pour résister. Ouais, quand même, ça va. Et on va en tuer, hein. Écoutez. Ah, baillon du mal, c'est bon. On l'a. On résiste. Donc là, je suppose qu'on a bientôt fini ce chapitre. Et que du coup on pourra bientôt refaire un mode maléfique bien évidemment. Nous verrons bien. Sommeil troublé. D'accord. Wow. Ah oui quand même. Pour le coup. Je sais pas si. On va faire double attaque. Que je pense pas que le one shot. Hein. Oh, s'il te plaît. Retente ta chance. Allez. S'il te plaît. C'est pas grave si tu subis des coups. L'important c'est que tu réussis. Je dois encore attaquer avec Morwen. Morwen. Tu vas pouvoir me faire peut-être une. Une plaie empoisonnée, peut-être que ça finira. Pas du tout. D'accord. Et les ghosts. Je sais pas combien ils ont de vie. Je vais tenter. Il y a quasiment fait du nettoyage là. Pour vous dire la quantité de dégâts qu'ils peuvent représenter eux-mêmes, à tous. Ils ont vraiment de quoi faire. Alors. On redonne de la vie à tout le monde, bien évidemment. On
plus ils dorment, donc c'est parfait pour moi. On va prendre Morwen. On va essayer d'en tuer un. On peut empoisonner. Même si on subit. Et je change. Ouais, je les change. Essayer de mettre un bouclier de montagne. Je sais pas si par contre une attaque d'esprit. Je sais pas. Je pense que ça va me faire mal. Ah purée, j'ai fait le con. Alors c'est pas grave, on va reprendre du coup Eoden. J'ai pas fait attention en fait que j'avais beaucoup de points. Point d'action tout simplement. Donc on va en donner pas mal. Point d'action. Don d'esprit. Et encore. C'est pas fini. Je devrais être quasiment full ou full. Quasiment, c'est très bien. Du coup. Non, d'abord. Bah non, il y a juste une personne qui en a besoin en fait. Et ça suffira largement. Voilà. Et maintenant, on va essayer de le tuer, bien évidemment, avec. Juste une furie, je pense que ça devrait suffire quand même. Ah, bah non. Embêtant. Bon, là, ça suffit. Taille-pierre. J'ai pas trop subi, ça me dérange pas encore. Je pense que là, c'est Morwen qui a le moins de points de vie. Pas très grave. Et ben on va augmenter les stats. Allez, un peu d'attaque. C'est parti. Barta. Très bien, on met. Alors, on perd 3 en esprit, on augmente de 2, on augmente un peu de résistance. Pas envie. Ça me sert pas trop. Ici, on monte un peu en esprit. On perd en force, on perd en résistance. Ouais, mais on augmente dans tous les autres. Donc ça me va. Ici, on perd un peu en force. On monte, non, pas intéressant. Juste la montrer, mais on ne la prend pas. Voilà. C'est très bien. Idrial. Alors, qu'est-ce que tu as du coup, ma petite? Alors, plus d'esprit. Ah oui. Tout de même. On perd en. Ouais, on perd beaucoup trop de stats, je trouve. On augmente que de 3 en défense véritable. Mais on perd quand même bien en défense, je trouve. Donc, non. Clairement, je ne veux pas. Je suis bugué. J'ai fait des bêtises. Aïe aïe. Et allez, on est déjà en train de se faire attaquer. Lui, il va falloir le tuer très rapidement. Donc, Beretor. Et une petite colère. Parce que sinon, il va mettre de la résistance à tout le monde et on va être emmerdé comme on l'a eu précédemment. Contre-attaque. Déjà, ouais, ça fait bien mal. Ils ont déjà bien subi comme il fallait. Allez, Morwen. Je sais qu'elle a plus beaucoup de vie. Mais si elle peut au moins le tuer, ce sera déjà un bon point. Voilà. Elle va peut-être mourir dans le combat, hein, mais. Quoique, allez. On va faire bouclier montagne. Là, je sais que tous les personnages qui seront là ont déjà attaqué. Je n'aurai plus qu'à les changer. Oula, c'est quoi ce. Ah, d'accord.
C'est ce putain de bouclier noir. Pardonnerez mon langage, mais je n'apprécie pas ceci. On va prendre Eoden et on va... On va faire en sorte qu'ils regrettent quand même leurs attaques. Allez. Don de défense. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas regardé pour Eoden. Bon, tant pis, c'est pas grave. Allez, et tu reviens. J'espère que tu vas bientôt mourir. Espèce de sac à merde. Là, je suis un petit peu vénère contre lui. Non, mais là, faut pas exagérer, là. Pourquoi il me fout un bouclier noir, quoi? Fuck. Fuck that shit. Allez. Tu sais quoi? Fais dodo. Ce sera mieux. Ah bah non. Ah, ils veulent pas faire dodo, hein. Décidément, c'est compliqué pour eux. Faire dodo, pourtant c'est pas compliqué, hein. Je t'assure. Bon. On va passer exprès. Ouch. D'accord. Ouais, pourquoi pas. Non, en fait, là, j'ai un petit peu peur. Donc, du coup, je vais quand même me mettre une aura sur moi. Parce que je voudrais que Adot se réveille. Mais ça va être compliqué s'il se fait pas attaquer, il se réveille pas. Ou alors, j'aurais pu faire eau purificatrice. Mais si l'autre m'embête, du coup, je l'ai dans l'os. Ah, quoique. Voilà, parfait. Maintenant, je peux prendre Morwen. Et maintenant... qu'est-ce qu'elle pourrait faire, Morwen? Allez, s'il te plaît, empoisonné. Oh my god. Petite frénésie. On va faire un présent pour Morwen. On va ressusciter Eligost. Et après... Je vais peut-être prendre Beretor. Je pense que ce serait le mieux, oui. On va prendre Beretor. Alors j'espère qu'il va pas être un HP. C'est ce que je peux. Il est pas un HP, mais il a bien subi, quoi. Waouh. Ouais, ça pique, hein, tout de même. Faut pas déconner. Ah bah, un compte. Regardons. Voici le chaos qui s'ensuit lorsqu'un intendant brise son lien solennel avec son peuple. Le Gondor est devenu sourd au conseil et a choisi de dominer ses sujets. Des fils ont été envoyés à la mort pour des causes perdues. Des alliances se sont détériorées. L'espoir s'est fané. Des armées ont été écrasées, des chefs perdus. Il s'est approprié le Gondor. Mais tel n'est pas le rôle d'un intendant. On ne règne pas, on mène. Par amour du peuple, en pensant à l'avenir. Mais en tout cela, Denethor a échoué. Et de toute façon, c'est bien fait qu'il est mort, hein, du coup. C'est pas être salaud, hein. Oula, il y aura un combat là. On l'a vu, hein. Eoden. Donc là, bientôt. Voilà, un combat, encore une fois. On a vu qu'il y avait une personne sur un trône. Là, si c'est que des trolls, ça va aller. C'est pas trop un problème. Pour le coup. On va faire une colère sur le chef. Parce que c'est le chef qui peut être le plus embêtant. Et maintenant j'ai bien compris qu'au niveau des boss, faut vraiment focus le boss, hein. Faut pas s'embêter avec les autres. Pour le coup, alors attendez, je suis en train de me dire, est-ce que je prendrais pas d'abord une autre personne du style Al-Od.
Voilà, il... Puis faire un petit bouclier montagne. Parce que si vous focussez pas le boss, en fait, il peut quand même ramener ses sous-fifres. Donc c'est un peu chiant. Ah, hâte de con. Hâte de combat. Non, tu rêves. Tu rêves. Je m'en fous. Tu... Quoi? Non, mais attends, tu peux même pas attaquer? Tu te fous de moi? Tu te fous de moi, j'espère. Et j'espère que ça va faire quelque chose, du coup. Hein. Parce que là, je vais être déçu, sinon. Si tu peux pas attaquer... Lui, il peut. Hein. Donc, il y a un problème quelque part, là. Hein. Il est juste devant toi, l'ennemi. Ah, merde. Très bien. Yolène. Bon, on va faire ça. Hein? Ah, c'était vraiment une attaque? Ah, oui, d'accord. Ah, pourquoi pas? C'est compliqué. Ouais, quand on connaît pas, on est surpris. Bon, allez, tout le monde se soigne. Et on va faire un petit trage. Ça devrait suffire. Parfait. Ah oui, non, mais là, je comprenais pas pourquoi il était mort, en fait. Je me dis, c'est bon, il va l'empêcher, mais... Il l'a tué, d'accord. Ouais, donc l'esprit sur sur Eoden est complètement craqué, quoi. Bête, tu ne souilleras pas les rois du Gondor. Disparais. Voilà qui devrait rallier le Gondor en ces heures sombres. Des vaisseaux corsaires approchent. Mais c'est Aragorn qui se dresse sur la proue. L'espoir renaît. Bon, bah voilà, c'est le problème que je disais. C'est que maintenant, du coup, on va se taper des longs combats. Je le sens. Et le problème, c'est que j'avais pas fini de vérifier la salle. Donc, il y aura du stuff qu'on n'ira pas chercher. La seule chose que je veux voir, c'est si on est à 100%. Parce que là, sinon, je vais essayer de vous devoir faire un voyage. Hein. Alors, bon, on va changer. On va prendre Morwen. On va essayer d'en attaquer un. Hein. Et empoisonner.
Ça ne le tue pas, d'accord, pas de soucis. Ils ont l'air d'être plus résistants, c'est très bien. Moi ça me va. On va changer de personnage tout de suite, hein, bien évidemment. Ah oui, non, ils sont plus résistants, c'est cool. Donc là, par exemple, si je fais flèche sommeil, je vais tous les toucher, mais normalement, je devrais pas les tuer. Peut-être un mort, non? Même pas. Ok, parfait. C'est pas grave s'ils meurent pas tout de suite, hein, ça va être fait au fur et à mesure. J'espère que lui va mourir par contre. Au moins l'un des trois. Parfait. Donc Eoden. C'est presque le thème principal du jeu. On entend. Presque. Et Beretta. Normalement là on a attaqué avec tout le monde. Devrait avoir un point de sauvegarde pas loin, vu que c'est justement le pylône du point de sauvegarde. Ah, ça a pas donné beaucoup d'XP, disons. Pourtant, ils sont pas si faibles. Alors, attendez. Oui, c'est bien. Je veux bien. Bon, bah tant pis. On va regarder. 6000 lances chevauchent pour honorer leur ancienne amitié avec le Gondor. 6000 guerriers brandissent ses lances, tout en sachant que peu d'entre eux regagneront leur foyer. Souvenez-vous de la charge des Rohirrim, mon ami, car vous allez bientôt en faire partie. Sauvez-les lorsque vous le pourrez. Chacune de vos victoires réchauffera un cœur de plus cet hiver. Alors, ce que je voulais regarder, c'était au niveau des quêtes. On a fini. Bon, ça me va. Si on n'a pas trouvé, s'il y avait un coffre qui nous manquait, c'est pas très grave. On a fini quand même les quêtes à 100%. Donc ça me va. On va sauvegarder, les amis. J'espère qu'en tout cas, l'épisode vous aura plu. Donc on est sur le dernier chapitre du jeu. On n'est pas sur le dernier... Enfin, le dernier mode maléfique, ça va certainement être après la fin du jeu, je le sens, hein, je sais pas pourquoi. Donc là, on va avoir un mode maléfique, par contre, c'est sûr. Du coup... Ah non, on n'a pas de... Non, attendez. Ouais, j'allais dire, on a le mode maléfique. Donc on fera le mode maléfique au prochain épisode, les amis. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. On se retrouvera donc pour de prochaines aventures sur Le Seigneur des Anneaux, le tirage. Salut à tous !